C'est hyper gênant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans cette petite vidéo de type sympathique et DIY. Pour cette vidéo, nous allons faire des avions en papier. Donc, c'est pas bien ouf, mais en cette période de confinement, il faut bien trouver des idées. Et j'ai pas été chez le coiffeur depuis longtemps. Cette vidéo n'est pas sponsorisée et est filmée par ma dulcinée. Bonjour. Alors aujourd'hui on va faire des avions en papier, mais pas n'importe lesquels, pas n'importe quel avion en papier. On va faire des avions en papier mais stylés. Alors on va en faire un facile, un moyen et un expert. Et quand je vois la gueule qu'ils ont, Faudrait faire le basique que tout le monde connaît en fait. Bah celui-là alors, c'est celui que j'ai toujours fait. Voilà, tu pars là-dessus. Ok, celui-là je suis même pas sûr que j'ai besoin d'un tuto, mais let's go, hein. Même si j'ai jamais fait de cette manière. Je vais suivre le tuto à la lettre, hein. Et c'est parti. En avant. Alors le but c'est d'après d'essayer de les faire voler tous, hein. On va les faire et on les testera après. Alors moi quand j'étais petit j'étais level expert en avion papier. J'en faisais genre dans ma classe 5 ou 6 et puis après j'ai lancé tous en même temps. Et après bah, c'est pour ça que j'avais plus de place dans mes pages de colle. Je te regarde vraiment de faire un bel avion papier et il est pas mal, il est pas mal du tout. Attends je regarde parce qu'en fait même si ça me paraît évident, bah, je me dis si ça se trouve en fait je faisais le mauvais truc depuis le début. Mais en fait non, tout va bien. Et là, hop, il est terminé, c'est un avion en papier de type supersonique. À mon avis, il va aller à une vitesse totalement dingue. Est-ce que c'est validé ou pas? Oui. Allez, on passe tout de suite. En fait, il y a 4 niveaux de difficulté. Il y a le facile, le moyen, le difficile et l'expert. Donc on va faire un de chaque. On passe au moyen, lequel tu veux qu'on fasse au moyen? Oh, lui, il est fou. Bah, mais il y a besoin de découpage. On fait pas les découpages. Celui-là? Ouais. Allez, c'est parti. On fait un petit plan. C'est inférieur? Ouais, c'est plan inférieur, ok. Oh wow, j'arrive tellement pas à voir ce qu'il est en train de faire. On part tout de suite sur la vidéo explicative, puisque je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Alors attends, on fait comme ça. Attends, faut pas aller trop vite. Je sens qu'il va aller à une vitesse totalement dingue. Ah, j'ai déjà pas vu ce qu'il a fait, putain. Il est comme ceci. Et il le redéplie après. Ok, ça sert vraiment, je sais pas quoi ça sert. Il a une feuille carrée, mais il a pas une feuille rectangle. T'es sûr qu'il a une feuille carrée? Mais non, peut-être que si. Mais en fait, il plie jusqu'où? On sait même pas jusqu'où il plie, jusqu'au milieu. Donc ok, donc là tu fais un angle. Mais sur pause. Non, c'est bon, je suis avionologue. Quoi? Ah oui, putain, mais ça, je savais pas qu'il fallait une règle. Ok, je préfère venir équiper. J'ai pris une grande et une très grande. Il a pris de là au milieu et... Oh. Et en gros, il a replié par-dessus sa règle. On le replie comme ceci. Et là déjà, boum, j'ai niqué le game. Je suis même en avant sur le tuto. Quand même ridicule, je suis en avant sur le tuto, quoi. Ah, le mec, ah d'accord, mais en fait, il n'y a pas besoin de règles. Putain, il s'est foutu de la gueule. Pourquoi il y a un... Pourquoi c'est plat? Pourquoi moi, c'est pointu? Je tombe pas du tout comme lui. Attends. Oh là là là, il a fait un truc de ouf, là. Attends, déjà, faire comme... Je vais m'arrêter, donc, à peu près au trait qui est là. Et ensuite, en même temps, ils disent pas comment il faut prendre. Faut faire un... Ouais, on va faire à peu près. En fait, c'est hyper à peu près, hein, leur avion. À quel moment il s'en est sorti avec ça? Ok, ouais, j'ai bien vu que t'avais fait ça. Moi, ça ressemble pas du tout, mais... Y a aucune chance que ça vole. Y a zéro chance. Voilà. Je tiens aussi à préciser que l'enregistrement de l'écran se fait sur un ordinateur de type plutôt vieux. Y a Windows 10, mais comment dire que je l'ai un peu forcé à avoir Windows 10. Donc c'est comme si vous utilisez un HP de 98 et que vous mettez Windows 10, il va pas kiffer, mais voilà, là il kiffe pas. Alors là on prend lequel? Y en a, ils sont vraiment trop beaux, hein. Acrobatique. Celui de droite, on dirait une chemise. Celui-là? Non, mais c'est pas beau ça. Ouais, c'est moche, je suis d'accord. J'aime bien le zip d'art. Zip. Le zip d'art, allez, c'est madame qui choisit, on y va pour le zip d'art. Alors, il commence par faire ça. Il va faire ça, c'est déjà très dur. Alors ensuite, il faut accorder plier les côtés en utilisant les plis. Mais non, mais en fait, on passe d'une étape à une autre en mode, je comprends pas. Et puis, ouais, non, je vais prendre, on va partir sur la vidéo, parce qu'en plus, après, on passe à un truc, la forme, elle change totalement. Clac, ça j'ai vu, donc je suis déjà en avant sur ton tuto, meuf. On reste tranquille, ensuite, tu fais quoi? Elle nous a fait un petit truc, un peu comme ça, et à la fin, ça devrait nous donner un truc stylé comme ça. Je crois que c'est moi qui ai fait le tuto, c'est sûr. On le replie là. Lui, forcément, on lui fait un bisou à l'autre. Je suppose qu'il faut faire la même chose de l'autre côté, sinon les ailes ne seraient pas là. Je suis en avant sur le tuto, je suis un génie. Ça, par contre, je vois pas à quel moment, c'est quoi? C'est pour faire une grenouille, en fait. Je pense que c'est pour faire une grenouille. Elle sort encore sa règle, sa pute de règle. Attends, je vais le mettre dans le même sens qu'elle, parce que je comprends pas ce qu'elle est en train de faire. Je comprends pas ce qu'elle fait. Pour l'instant, c'est un avion licorne. Apparemment, elle a fait un truc comme ça, un autre comme ça. Et alors là, attention, mesdames et messieurs. Il est chou. Il est... Stylé. On va l'appeler le kéké. Le kéké, c'est le difficile.
Il est temps de passer à l'expert. Ah, il y a le même début que l'autre. Alors du coup, j'ai pas besoin de commencer par le tuto. Maintenant, pliez le bord inférieur droit de la forme de diamant à la ligne centrale. J'ai pas compris. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut... Oh putain. Attends, après, il veut que je fasse... Rabattez le sommet de l'avion. Ça ressemble à tout sauf un avion pour l'instant. Ouvrez les fentes du sommet et qui saisit le coin des volets. Je pense... Il se fout de ma gueule. Il est l'heure de passer sur le tuto vidéo, c'est ce que je comprends pas. Ah, d'accord. Non, je sais pas. Si. Non. C'est hyper difficile à faire, hein. Il dirait pas, mais... Oh la vache, c'est moche. Mais c'est moi qui l'ai fait. Une fois que c'est fait, bah, excusez-moi, le mien est plus beau que le sien. Bah, elle a enlevé. Ah non, elle l'a remis. Je fais comme elle. Cette alarme était écrite week-end avec un... des yeux en cœur. Ça, ça va être pas compliqué. Elle prend un coin ici, un coin là. Et elle te plie ça comme ça, comme si c'était un jeu d'enfant, alors que je trouve ça tellement difficile. Je fais comme elle. Elle tâte beaucoup. Et mais les ailes sont deviennent un peu trop petites là, on va pas voler. C'est certain. Voilà, t'as fait un truc, mais j'ai pas vu moi. Ah d'accord, donc en fait elle le plie juste en deux. Rien de bien difficile jusque là. Quoi? Elle a mis son doigt dedans et après elle a fait un truc et un machin. Elle le prend comme ça par le cul. Elle rabat son cul. Intérieur. Attendez madame, parce que j'ai pas terminé moi. Je rendrai ma copie quand j'aurai terminé. Tout va bien. Tout va bien, c'est rien. Ouais, donc là effectivement on peut voir que c'est une bouche. C'est plus une mouche qu'autre chose. Ah bah c'est fini. Je suis déçu. Ça va jamais voler ça. C'est certain, ça va jamais voler. Je mettrai des musiques hyper stylées au montage. Hey, maintenant on est dehors. Donc là on se retrouve dehors pour... Alors sans micro cette fois-ci, donc on risque de pas trop bien m'entendre, mais... C'est pas grave. On va commencer par celui qu'on a renommé Fastoche, le petit plan sur Lilou, qui fait... Sa toilette quotidienne. On bat les couilles. T'es prête? On y va. Je vais redonner une chance à cet avion, parce que forcément, c'est celui que tout le monde fait. Et je pense qu'on lui laisse pas assez de chance, tu vois, quoi. Il est parti un peu loin. On peut dire que c'est validé, non? C'est le beauf après. C'est le beauf après. Alors lui, j'y ai franchement, je doute énormément de lui. Comment vous dire que ça, c'est une mouette. C'est une mouette ce truc, c'est moche. Testons, il était noté acrobate. Nous allons voir ça de suite. Tu sais, tu lances comme ça, vers le ciel. Est-ce que la production valide ou pas? Non. Allez, c'est un crash pour lui. On passe au Kéké. À Kéké. Je vais l'ai appelé Kéké puisque. Are you ready? Mm-hmm. Il est pas allé très très loin. Kéké n'est pas validé malheureusement. On passe à Jackie, qui est donc l'avion le plus dur à réaliser sur leur site apparemment, sans découpage. Je suis pas très très confiant, mais bon. Oh. Dans ceux de là. Mais t'avais pas là, tu sais, la technique, il faut un peu humidifier ou je sais pas trop quoi là. Ah oui. C'est beaucoup mieux. Et je pense que le winner, c'est celui de classe, qui me semble être beaucoup plus efficace que les autres. Ah putain. J'attendais pas. Bon et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mettrai dans la description donc le lien du site où j'ai été. Il y a vraiment des trucs pas mal à faire à mon avis. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et quand la vidéo t'a plu, qu'est-ce que tu fais toi ma chérie? Un pouce bleu et un commentaire. Ah oui, ah bah, si c'est celle qui le dit, il faut le faire. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous.